Quand on parle de Saint-Esprit, quand on parle d'énergie divine incréée, nous sommes sur ce troisième plan. Il y a donc trois niveaux. Et lorsque un certain Cornelius Agrippa écrivait son livre sur la philosophie occulte, des philosophies occultes, eh bien, il le divisait en trois parties. Une partie sur la magie naturelle, une partie sur la magie céleste, lieu une des vertus sur la magie divine, avec lequel le sage peut établir un contact. Le sage peut établir un contact. Des énergies divines. Le besoin de ces charlatans pour acquérir les réponses convoitées des arcanes, sciences ésotériques, astrologie, divinité sont trois vecteurs protecteurs qui doivent être exploités. Alors retour aux phases des routes sous la lune avant le scandale Saldakam. Je parcourrai le voile des doutes dans les formules révulsées par le moderne d'époque. Car je souhaite protéger le sépulcre de la connaissance bien avant l'arrivée du clock. Des corbanes à la Yesuken et qui font bander les jeunes gens et les fans. Avec des shoryuken, les shoryuken plongés dans les paradis multiples. Culturelle sans être respectueuse des bonnes tournures, même si le tableau dans son ensemble n'est qu'un porte-clos qui finira par devenir un petit murmure sensationnel. En effet, il m'a à la bonne. La communion de ce que l'on peut toucher, la communion de ce que l'on peut sentir, la communion de ce que l'on peut voir, de ce qui peut nous toucher, mais qui restera temporairement dans la face de ce que l'on ne peut que ressentir. Le Seigneur m'a donné une voix, c'est pour mieux les invoquer. Mon enfant, le diable, m'a donné une queue. Alors tu connais la suite de l'éthique. Enfance perdue d'Enfine, prouvée des plus grandes bassesses durant l'inquisition des vaniteuses royautés, proche de la noblesse, les langues du clergé, l'hérésie, pour fond de commerce philosophique avec le latin, parcours aussi la relaxation dans l'anachronique. Mais il n'aurait certainement pas voulu être l'objet de multifaces horribles chroniques. Pourtant, il est devenu le porte-parole de la classe A, des champions de l'opposition, blâmé depuis le 15e dans Avignon ou bien Paris, le fantasme de tout sociologue, même si nul ne reconnaîtra son thème. C'était pas certain, c'est vrai, c'est le diable. Mais où? Où est passé le clarinette? Le pain n'est pas fini. T'as mon nom, Francisca Mesquin. Non? J'exagère? Ou pas qui? Un maître, la maître, de potions, de coquchons, de nelly, de factions comme des scarpartis. Il aurait pu s'autoproclamer médecin, juste si sa société fiche dans une vise et plus étroite à la centre de la Gouessie, qui le mena aux études de la cabale hébraïque, si, l'inspire. La hantise que le mépris de ses visions des biens et de pédication. Dès que nous savons tous que le recherche du pouvoir reste le seul chemin de prédilection. Si on redécouvre aux origines géographiques comme colonie en Allemagne qui justifie le patronyme d'un riche, même pas de l'âme riche, et grâce au corpus. Succès d'auto-livre de tête pour ceux qui n'avaient pas peur de peser plus que des cathodes. Un nouvel ennemi des mœurs instaurées dans son temps. Ami de tous, ami de personne intime avec le magique, le pouvoir de l'occulte respectueux des créatures qu'elle a connu prénom. Tout en savant qui a payé le prix de sa personne. Ami de les langues vivantes au monde, des fans amateurs de l'exhumération de tombes, le seigneur de guerre dans les périples de rencontres stratèges qui savaient devenir muets comme une tombe. Terrestre, astrologique, imagique, anti-rustre, cognitique ou agnostique, charismatique, choquine, l'âge de câble, menace de mort, toujours en fuite. C'est comme les lieux sacrés, astrologique, imagique, anti-rustre, cognitique ou agnostique, charismatique, choquine, l'âge de câble, menace de mort, toujours en fuite. C'est comme les lieux sacrés,